Vous avez devant vous la pire action de football du monde. Et même la plus incompréhensible. Bon là, il s'embrouille comme d'habitude. Et là, le mec, on sait pas pourquoi, il donne un coup de pied genre un peu sort kung fu. Mais t'es en train de faire du foot, t'étais des crampons, mon gars, ça commence à être dangereux, tu vois. Ou peut-être qu'il en avait marre d'avoir de la terre sur les pieds. Il s'est dit, tiens, je vais m'essuyer sur un connard d'adversaire. Et l'adversaire, il fait rien. Il bouge pas. Bah, le mec, il s'en bat les couilles, ça lui a pas fait mal. Mais ça va pas plaire à tout le monde. Bah, l'arbitre, il l'a vu. Il est pas aveugle, ça se passe devant lui. C'est comme moi quand je passe à côté d'un bon boule de raclette, tu vois, je le vois, je le mange, tu vois, là le mec il est obligé d'intervenir ou de lui donner un 10 sur 10 parce que c'est quand même un beau geste technique de danse. Hein. Bravo, tu restes pour la prochaine émission de Danse avec les Stars. Oh. Mais là il y a le pote en rouge là qui dit à l'autre gars, mais pourquoi t'es pas tombé, pourquoi t'as pas simulé l'autre, je sais pas, je suis pas comédien, moi je suis footballeur. Mais vas-y tombe, il faut que ça abuse. Mais fais rêver les gens et tombe comme Neymar, voilà. Et donc il s'embrouille avec son pote, mais son pote il a pas envie de tomber, tu vois, il a autant et moi je suis un bonhomme, moi je suis pas fragile, ok. Je suis pas supporter de Marseille, je vais pas faire une simulation, ça va. Et le mec ça lui plaît pas. Donc il le pousse par terre et dit tu vas rester au sol mon pote hein. Pendant ce temps-là, l'arbitre, lui, il donne un carton rouge parce qu'il en a plus rien à foutre. Il est occupé avec un gars, il peut pas faire deux... C'est un homme, ok? Nous, les hommes, on peut pas faire plusieurs choses en même temps. C'est comme ça, c'est dans nos statuts sociaux. On a signé un contrat avec Mère Nature, on peut pas faire plusieurs choses en même temps. Les femmes, elles peuvent faire des choses, plusieurs choses en même temps, mais mal. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, le pote rouge montre qu'il a fait tomber son pote. Et il a pas dit que c'est... Non, c'est pas moi, il est tombé à cause du pied, hein. Bon... Voilà, il a mis du temps à comprendre qu'il avait mal. C'est moi qui l'ai aidé à faire comprendre qu'il avait mal. Si, si, t'as mal. Mais non, j'ai pas mal. Si, si, t'as mal. Vas-y, pousse-toi, voilà. Et donc, il est tombé, monsieur arbitre. Hein. Mais bon, ça sert à rien. Parce qu'il a déjà un carton rouge, le mec. Et donc, le gars, il a vu qu'il y avait le carton rouge. Il a vu qu'il a poussé son pote pour rien. Mais il est quand même pas content, tu vois. Donc du coup, maintenant, il va insulter son pote et il va le taper dessus, le gars. Il va le taper. Quand t'as des amis comme ça, t'as pas besoin d'avoir d'ennemis. Bon, après, ça reste un coup de pied de footballeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie, quoi. C'est pas très puissant, quoi. On n'est pas sur du MMA. Et le mec, au sol... On sait pas s'il fait semblant d'avoir mal ou s'il a mal parce que son pote l'a tapé. Bon, voilà. Petite vidéo de dingue, un peu rigolote. Vive le football, hein, surtout. Hein. Ça, c'est important. Bon courage des pauvres.